Bonjour, c'est Eric de l'ADAC. Alors dans la continuité de nos petits entraînements, nos petits enchaînements, aujourd'hui je vous propose un enchaînement de coudes avec le célébrissime Jérémy. A tout de suite. Alors voici l'enchaînement. L'enchaînement ça va être d'abord un coude horizontal. Je suis en garde comme ça. Mon pied n'est pas trop avancé, il est là. Normalement pour être bien, faut que quand je regarde mon pied, je ne vois pas mes lacets. Ok, et là je viens, menton bas, enroulé sur un coude avant horizontal, un coude arrière diagonal, un coude avant vertical, un coude tournant horizontal. Ce qui nous donne, avec Sir Jérémy, un coude avant, un coude diagonal, un coude vertical, un coude horizontal tournant. Je vais crescendo. Toujours penser que c'est lui qui dirige la musique, donc c'est lui qui me donne les tops. Je tape pas quand j'ai envie. Et que je mets toujours la précision et la vitesse avant la puissance. D'accord? La précision d'abord, lentement. Après, on augmente en vitesse. C'est ce que j'appelle le crescendo. C'est-à-dire qu'on repère, on monte, on monte, on monte. Puis à un moment, on est bien rodé. Tout le monde est bien rodé, lui comme moi. Parce que lui, il a un grand rôle important. Et là, je peux envoyer. Surtout sur celui-là, faut pas se louper. Je monte un peu. Alors, je remonte dans l'optique vitesse, pas j'arrache tout. Ça va, Jérémy ? Ça va. Tu peux y aller un peu plus fort ? Allez. Tu fais attention à un truc, c'est que sur le dernier, souvent, je vais devoir avancer un peu pour te toucher. Donc tu prévois, ça veut dire que tu as un léger soit retrait du buste, soit tu recules d'un pas. Okay. On repère une fois pour que tu vois. 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors fais voir, tu l'arrêtes, arrête-le là. Comme ça. D'accord? On y va. C'est lui qui me donne les tops. Allez, go. Encore un. Ok. Alors vous avez vu, cet enchaînement il est bien sympa. Maintenant ce qui serait bien c'est de le mettre dans un contexte avec contrainte. Je vous rappelle encore une fois qu'on fait de la self-défense, donc on est censé réagir sur une attaque de l'autre. Là vous m'avez vu enchaîner une série de coups, mais normalement j'ai d'abord pris quelque chose. D'accord? Donc ce qu'on va faire c'est que je vais bloquer ce coup. On va le faire un coup circulaire, c'est à peu près 80% des coups qu'on trouve dans la rue. Hein. Un coup circulaire comme ça, je vais descendre directement. Ok, je vais revenir ici, ici, et je vais faire mon enchaînement. On verra qu'à la fin, on peut mettre quelque chose aussi. On verra après. Donc, on y va, tout doucement, crescendo, pareil. Il frappe, je me protège. Alors, j'ai plusieurs choix pour la protection. Soit je fais le passe-partout, d'accord? C'est-à-dire, je lève en même temps. Ok? Et à partir de là, j'enchaîne. Soit je viens bloquer, d'accord? Spécifique, bloquer, pap, et là, je reprends. Ok? Et j'enchaîne. On y va. Ok, alors maintenant, je vais pouvoir y mettre un autre coup. En fait, quand on regarde bien mon enchaînement, je termine comme ça. Si je l'ai touché, c'est top. Si je l'ai loupé, parce qu'il a quand même pris des coups avant, il a peut-être reculé. Si je l'ai loupé, je suis un peu dans la merde, je lui tourne le dos. Ok? Bon, ce que je vais faire là, il va mettre une cible là, et je vais venir bam, frapper en plus. D'accord? Ce qu'on appelle nous, en défense, un coup de pied de mule. Je rappelle que le coup de pied de mule, on a les jambes serrées pour protéger les triangles génitales. On se baisse un petit peu en avant. Bam! Ma manière de le cibler, c'est si je dois regarder quelque chose, je regarde entre mes pieds. Là, je vois son pied, je sais où il est. Je vais éviter de faire ça. Tout simplement pour ne pas prendre un tampon à ce moment-là. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6. D'accord? Crescendo, pareil. J'ai oublié. J'ai bien fait de faire crescendo. Et je l'ai raté en plus. 5, 6. On y retourne. Tape un peu plus fort ton cou. Pas beau. Je recommence. On fait un petit blanc comme ça on pourra faire, d'accord? Donc on y va. Blocage, frappe, diagonale, verticale, arrière, arrière. J'y vais doucement. En accélérant un peu. C'est moi. J'espère que ça vous a donné matière à réflexion et à travail. Et j'espère que vous kiffez nos petits enchaînements. On vous donne rendez-vous pour bientôt la suite. Ciao, bonne journée. Salut.